Si le coureur français Alexis Renard essaie de nous prendre pour des imbéciles lorsqu'il déclare avec une stupéfiante candeur « On est des ambassadeurs d'Israël, mais pour nous, il n'est pas question de faire de la politique. Ben voyons. » Son patron, le richissime entrepreneur israélo-canadien Sylvan Adams, affiche sans détour ses objectifs. On va contourner les médias traditionnels en s'adressant directement aux fans de sport qui n'en ont rien à faire du conflit israélo-palestinien et veulent juste admirer nos beaux paysages. Sylvan Adams, lui, ne s'intéresse pas qu'aux beaux paysages. Il s'intéresse à la politique et il a clairement choisi son camp. En juin 2019, on le retrouve aux côtés de Jared Kushner. Jared Kushner, oui, vous savez, le gendre de Trump, chargé de concocter ce fameux plan du siècle, un prétendu plan de paix débouchant sur l'annexion par Israël d'une partie de la Cisjordanie. Adams fait partie des hommes d'affaires israéliens associés à la mise en œuvre de ce plan. Pour Sylvan Adams, le mariage entre cyclisme et politique est une histoire qui n'a pas débuté avec l'irruption de l'équipe israélienne dans ce Tour de France. Tout a commencé en 2018, à l'occasion du Tour d'Italie, le Giro, où Adams est déjà à la manœuvre. Nous avons demandé à Jean-Yves, un militant de la FPS qui s'est trouvé dans l'action à ce moment-là, de nous parler des débuts de l'opération de propagande. Aujourd'hui, on voudrait parler de un des sponsors de l'équipe israélienne qui est engagée dans le Tour de France de cette année 2020, Sylvan Adam. Mm-hmm. Il avait réussi ce tour de force de faire partir le Giro d'Italie de Jérusalem avec plusieurs étapes. Pour un milliardaire, c'est pas vraiment un tour de force puisqu'il avait quand même payé 12 millions d'euros à l'organisateur du Giro pour qu'il parte de Jérusalem. Et il y avait eu plusieurs étapes. En fait, il y a eu deux étapes, une étape contre la montre dans Jérusalem même, et ensuite il y a eu une autre étape de Tel Aviv à je sais pas où. Mais partir de Tel Aviv, c'est pas anodin non plus, puisque Tel Aviv c'est quand même une ville phare d'Israël. Tel Aviv, c'est une ville qui sert beaucoup la propagande d'Israël, parce que dans cette histoire, ce qu'il faut mettre en avant, c'est la notion de propagande. Israël a une mauvaise image du fait de son attitude avec les Palestiniens. Et du coup, ils cherchent à redorer leur image. Actuellement, BDS leur fait du mal et ils cherchent à contrer ce mouvement en promouvant des actions qui les font paraître comme au-dessus du lot. Bon, il y a eu Tel Aviv sur scène à Paris, l'année France-Israël, etc. Et donc, le Giro. À cette occasion, donc, à Marseille, on avait fait un défilé. On avait défilé sur la Canebière avec des panneaux, quelques-uns avec des vélos, pour dénoncer cette entreprise de propagande que Israël appelle la Hasbara. Les raisons qu'ils avaient avancées à l'époque pour partir de Jérusalem, il y avait une histoire avec Gino Bartali, c'était un coureur italien qui avait remporté plusieurs fois le Tour d'Italie, et puis ensuite il avait été nommé parmi les justes, ceux qui avaient sauvé des juifs pendant la guerre. Donc on retrouve là l'utilisation de la Shoah. Et l'action que vous aviez menée avec le groupe local de Marseille, donc en défilant sur la Canebière, ouais. C'est une action qui avait été bien reçue par la population. Sur la Canebière, il y a une population très éclectique. Donc en définitive, on n'a pas de problème. Les gens reçoivent très bien. Ça ne veut pas dire que derrière, ils vont faire quelque chose où ils vont vraiment prendre conscience de ce qu'il y a tout derrière notre action et ils ne vont pas chercher nécessairement à creuser, mais ça, c'est un problème que l'on retrouve partout, quoi. Vous avez décidé de faire une action à l'hôtel Mercure à Vannes. Pourquoi vous avez choisi ce lieu? Alors, ça a vraiment été quelque chose qui a été fait vraiment au pied levé, parce qu'en fait, on savait qu'il y avait cette course championnat de France à Grandchamp, mais on n'avait jamais imaginé que justement cette équipe était présente. Et c'est un couple de notre groupe à FPS de Vannes qui passait devant l'hôtel Mercure et qui a vu les bus de l'équipe. Il y avait deux coureurs donc de leur équipe qui participaient à cette course à Grandchamp.
On a contacté toutes les personnes qui auraient pu être disponibles pour se rejoindre donc à 19h devant l'hôtel Mercure pour faire une action. On est allé autour des bus puisqu'il y avait l'équipe technique qui était là. Bon, c'était des Espagnols. Bon, ils nous ont expliqué qu'eux, ils ne faisaient pas de politique et qu'ils n'étaient pas au courant de tout ça. Par contre, on a eu deux voitures de coureurs qui sont passées devant nous. Et là, je pense que là, eux, ils étaient quand même beaucoup plus concernés. Et ils sont passés vraiment à vive allure. Vous avez pu quand même discuter avec des passants, avec des personnes que vous pouviez sensibiliser? L'hôtel Mercure, en plus, est donc du coup juste sur la Rabine, pratiquement, donc sur le port de Vannes. Et donc, il y avait énormément de monde. On a pu justement tracter. Les gens étaient interpellés par nos banderoles et venaient discuter avec nous. Donc, du coup, ça a eu un très bon impact quand même. Et les gens étaient très réceptifs et comprenaient très, très bien notre action. Vous aviez demandé aussi un entretien avec le maire de Sarzeau, dans le Morbihan aussi, pour lui expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants de votre action et les implications de la présence de l'équipe d'Israël. Vous n'aviez pas eu de réponse jusqu'à une période récente? Alors, on n'avait pas eu de réponse, ça faisait à peu près plus de 3 semaines qu'on avait envoyé le courrier. Et donc, suite à cette action qu'on a fait dimanche, alors je ne sais pas si c'est ça qui l'a fait réagir, parce qu'en tout cas, dès le lendemain, on avait un mail nous proposant un rendez-vous. Vous estimez que votre action est positive, les retombées de votre action sont plutôt positives? On était même surpris, parce que c'est vrai que c'est vraiment, on a vu ces bus-là, il était 13h, à 19h on faisait l'action et on a réussi quand même à mobiliser 10 personnes de l'association. On était quand même assez satisfaits d'avoir pu faire cette action vraiment au pied levé comme ça. Et de se dire, ben voilà, ce rendez-vous, même s'il sera après le Tour de France, c'est quand même important parce que cette équipe d'Israël ne va pas s'arrêter comme ça. Et donc, c'est important qu'on puisse discuter avec David Lapartien. Vous êtes à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor, à l'occasion d'une course qui a lieu habituellement dans le Morbihan. Mais qui, cette année, a fait une petite extension vers chez vous. Vous avez profité de cette course pour justement mener une action d'information sur le Tour de France. Qu'est-ce que vous aviez décidé de faire? On a voulu interpeller le public et les médias sur le fait que l'équipe était présente. Elle est passée, on a manifesté par des slogans encore plus à son passage, quoi. Et puis, on a quand même une couverture presse qui est intéressante. Ils ont bien joué le jeu. Et du coup, Quest France était sponsor, ils ont quand même nous ont passé un communiqué en amont. Et il y a eu 2 articles le jour même et le lendemain. On a même eu des coups de klaxon aussi de sympathie. Parce qu'on avait quand même sorti les drapeaux, les pancartes et tout. C'est pas sur le lieu même, je pense qu'on a eu une grosse visibilité, mais sur après. Il y a eu des photos et des articles sur le Facebook qui est suivi aussi par des briochins. Donc je pense que l'impact, je pense qu'on est assez content de l'impact quand même. On a le forum des associations à Saint-Brieuc, l'association AFPS a un stand tous les ans. Donc comme le Tour de France commence le 29 août jusqu'à fin septembre, on va en profiter pour continuer un peu notre action, quoi, les distribuer. Puis là, on a un peu plus le temps de discuter avec les gens. Mais en fait, à Saint-Brieuc, quand on distribue des tracts, on a beaucoup de gens sensibles à la Palestine. On a contacté les 2 parlementaires, 2 sur 4 du département, qui sont sensibles à la cause. Il y a Christine Pruneau et Bruno Joncourt, qui est aussi à l'Assemblée dans une commission qui concerne la Palestine, entre autres. Eh bien, merci beaucoup, Christine. Bravo pour votre action et puis surtout, bon courage.